Bonjour, c'est Ben. C'est un honneur pour moi d'être jury cette année au Festival d'humour de Saint-Gervais. Ils sont très en avance sur tout ce qui est gratin de pommes de terre, tartiflette. Le Festival de Saint-Gervais, parce que le Mont-Blanc, parce que les pistes, parce que le maire de Saint-Gervais, que j'ai la chance de connaître personnellement, et qui m'a offert une très belle bouteille de gin l'an dernier. On me fait l'honneur d'être un membre du jury, c'est-à-dire je vais être un juge, je vais juger, j'ai prévu d'être impitoyable vraiment, d'être extrêmement dur, extrêmement exigeant vis-à-vis des artistes. À la première erreur, je vais les massacrer. Dans les artistes que je vais pouvoir découvrir sur scène, et bah, j'attends qu'ils me surprennent essentiellement, qu'ils me fassent rire beaucoup. Plus trop l'occasion d'aller voir des spectacles parce que je joue en fait souvent, donc ça va être l'occasion d'en voir plein en une semaine. Et non, 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 j'attends vraiment d'être surpris, d'être cueilli, d'être ému, pourquoi pas, mais de rire surtout beaucoup. Je vais être plus un spectateur qu'un jury en fait, je crois. J'ai la meilleure punchline pour vous donner envie de venir à ce festival. Je vais vous dire il va y avoir une avalanche de rire. Déjà, tu vois le jeu de mots. Non, mais surtout, il va y avoir une bande d'artistes absolument incroyable. Il y a Gus, l'illusionniste, qui était là l'an dernier, qui va être là, qui va faire son spectacle. Enfin, ce que fait ce type, c'est vraiment ultra bluffant. J'ai plus tous les noms de tous les artistes, mais il y a une très très belle programmation. Et ça va être une semaine de fête, de rire, vraiment. Moi, en tout cas, je raterai ça pour rien au monde. J'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir revenir cette année. Donc vous faites comme vous voulez, mais moi, j'y vais.